Je touille la bouillie magique. Cathy, qu'est-ce que tu fais? Alors, mon fils, tu veux de la bouillie? Qu'est-elle de magique, cette bouillie? Elle pue! Elle semble répugnante. Mais elle est forte. Forte? Elle est super balèze. Qu'est-ce que cette mélasse a de balèze? Tape dans la bouillie. Quoi? Tape dans la bouillie. Comment ça taper? Tape dans la bouillie. Ça va gicler partout. Vas-y. Bien, je vais taper dans la bouillie. Elle s'est durcie tout d'un coup. C'est une bouillie magique. Et la recette? Nous allons vous la révéler. Vous pouvez préparer cette bouillie chez vous. Il vous faut 4 gobelets de fécule ou de farine de pomme de terre, 3 gobelets d'eau et un récipient à fond plat pour mélanger le tout. D'abord, versez l'eau dans le récipient. 1, 2, 3. Puis la fécule de pomme de terre, mélangez doucement pour éviter la formation de grumeaux. Doucement, doucement, tu vois, là il faut faire preuve de... De patience. D'un peu de patience, oui. Il faut touiller. Lorsque les 4 gobelets de fécule sont mélangés avec l'eau, la bouillie magique est prête. Et elle sait faire un tas de choses. Touille-la encore un peu, Cathy. Un tout petit peu. Voilà. Toujours touiller un peu juste avant. Si vous faites tomber ce poids dans cette bouillie, alors... Le poids est arrêté en surface comme si la bouillie s'était durcie. Ça marche aussi... Avec cette boule? Ça marche même avec un doigt. Si vous tournez lentement dans la bouillie, ça a la consistance d'une bouillie. Mais si vous remuez rapidement le doigt, vous ne pouvez plus l'enfoncer et vous tracez des lignes à la surface. Incroyable. On a l'impression que la bouillie est ferme. Essaie de l'enfoncer. C'est impossible. Sauf si je l'enfonce lentement. Et si tu vas vite? Difficile de le retirer de la bouillie. Et si je veux l'enfoncer vite, je bute en surface. Tu as vu? Impossible de l'enfoncer. Vous pouvez même frapper du poing dans la bouillie. Impossible de l'enfoncer. Il faut enfoncer la main lentement pour toucher le fond. Essaye de lever tout le récipient. Si je lève la main très vite, c'est le plus important, alors je peux... Waouh! Je peux lever le récipient. Attention! Encore une fois! Rien qu'en tenant la bouillie. Regardez, elle est plus ou moins liquide. Attention, j'enfonce la main entièrement dedans. La fécule de pomme de terre mélangée à de l'eau donne un mélange qui reste liquide lorsqu'on remue doucement dedans. Mais ce mélange se durcit soudain lorsqu'on exerce une pression dessus, qu'on le frappe ou qu'on le tire soudainement. Un tour de magie à faire chez vous.